La Fédération des chambres de commerce égyptiennes a confirmé que le coronavirus n'a aucun impact sur les investissements chinois en Égypte, ni sur les mouvements d'importation ou d'exportation entre les deux pays jusqu'à nos jours. Ces responsables ont exprimé leur confiance dans la capacité du gouvernement chinois de surmonter cette crise bientôt, notant que les investisseurs disposent d'un large stock de biens qui suffit pour les 5 ou 6 prochains mois. De la part des investisseurs et hommes d'affaires, membres des chambres de commerce, j'aimerais exprimer notre solidarité avec le peuple chinois et notre confiance totale dans la capacité du gouvernement chinois de vaincre cette épidémie rapidement, comme il a toujours surmonté les obstacles qui entravaient le développement du pays, et de maintenir, voire promouvoir, ses relations économiques avec tout le monde. La division des importateurs de la Fédération des chambres de commerce égyptiennes a déclaré que les importations égyptiennes en provenance de la Chine s'établissent à 16 milliards de dollars, ce qui représente environ 25% des importations totales du pays. Elle a affirmé que la balance commerciale entre les deux pays n'a pas été affectée à ce jour par le coronavirus en raison de grands efforts déployés par la Chine pour contenir sa propagation. Il n'y a pas eu d'impact direct sur le commerce entre l'Égypte et la Chine grâce aux mesures de précaution prises par la Chine pour contrôler la propagation du virus. Nous avons confiance en la direction et la sagesse du président Xi Jinping, du gouvernement et du peuple chinois de pouvoir vaincre cette épidémie. Je crois que tout le monde partage ce sentiment. Quant à la division automobile de la Fédération générale des chambres de commerce, elle a déclaré que la crise du coronavirus n'affectera pas le secteur automobile en Égypte en termes de marchandises fabriquées ou les intrants et les fournitures de production automobile qu'on importe de Chine. Les responsables égyptiens, tout comme les dirigeants du monde, ont exprimé leur confiance quant à la force et à la résilience de la Chine dans son combat face à l'épidémie du coronavirus. Et par conséquent, le maintien du niveau des relations économiques entre la Chine et le reste du monde. Achraf Massoud pour CGT1 français, Le Caire, Égypte.